Yahoo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là aujourd'hui, on se retrouve comme d'habitude pour une nouvelle vidéo. Mais cette fois-ci, je suis déjà en tenue décontractée quoi. Je vais tout simplement faire ma routine du soir. Je vais me démaquiller, me nettoyer la peau et tout ça quoi. Et uniquement avec des produits asiatiques. Donc il y aura des produits thaïlandais, coréens et japonais. Principalement, je crois qu'il n'y a que ça d'ailleurs. Ce qui est top dans cette routine, en plus qu'il n'y ait que des produits asiatiques, c'est que la composition des produits est vraiment top. Il y a plusieurs produits qui sont quasiment 100% naturels, donc ça c'est vraiment génial. Bref, sans plus tarder, commençons. Alors, je vais commencer par retirer les faux cils. Voilà, ça c'est fait. Déjà, je revis. Ensuite, je vais placer un espèce de bandeau là pour éviter de mouiller ma perruque. Voilà, on va mettre ça comme ça. Donc pour me démaquiller, je vais utiliser une huile démaquillante. Je vais utiliser celle-ci. C'est une huile démaquillante des laboratoires Pharma Act. Elle est bien. Franchement, la composition, elle est top parce qu'il n'y a pas de parfum, il n'y a pas de colorant, il n'y a pas d'additif. Donc je vais en mettre 3-4 pompes. 3 pompes, ça suffit. Et je vais l'appliquer sur tout mon visage. Au niveau de la composition, il y a de l'huile de jojoba, du bois de rose, de la lavande et du géranium. Le géranium c'est top parce que ça a des vertus purifiantes, astringentes et hydratantes. Il retire également le make-up même waterproof sans agresser la peau, ça c'est super. Et ça favorise l'élimination des cellules mortes, donc toutes les peaux mortes, tout ça, là, ça va les enlever. Voilà, donc là j'ai rincé tout ça, donc on va passer au nettoyage et je vais utiliser ce produit que j'utilise depuis pas très longtemps d'ailleurs. C'est un produit thaïlandais, c'est le Whitening Facial Foam, donc c'est un nettoyant, un lait nettoyant pour le visage qui est 100% naturel. Il est composé d'aloe vera, de vitamine E, d'huile de jojoba également, donc les asiatiques aiment bien l'huile de jojoba je remarque, et de centella. Donc la centella, je ne savais pas du tout ce que c'était, je me suis un petit peu renseignée. C'est une plante en fait que les asiatiques utilisent beaucoup, donc que les chinois utilisaient déjà à l'époque de je sais pas quand là, en tout cas il y a très très longtemps dans la médecine traditionnelle. Chinoise, c'est une plante régénérante, drainante et anti-âge. Voilà, ils disent que le produit réduit tout ce qui est taches noires, les taches d'hyperpigmentation, tout ce qui est vergiture, que ce soit avant ou après la grossesse, si on l'utilise fréquemment et quotidiennement, et qui rend bien évidemment une peau beaucoup plus lisse et beaucoup plus nette. Voilà. Donc j'en mets un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu. J'en mets pas des masses quoi. Il est conseillé de frotter au minimum une minute, et pas seulement que pour ce produit, hein, c'est pour tous les produits nettoyants pour visage. Pour voir les effets dans le temps, il faut frotter au moins une minute. Voilà, donc quand j'ai terminé de frotter, je vais rincer et je reviens. Donc ça y est, j'ai déjà le visage bien propre, mais ce n'est pas suffisant. Donc là, je vais maintenant passer à l'exfoliant ou le gommage, quoi, mais je préfère dire exfoliant. Donc c'est le Natural Aqua Gel Cure. Qui est un exfoliant japonais, donc c'est le best-seller au Japon, le numéro 1, le number 1 in Japan, you know, depuis 2006, donc tout le monde se l'arrache et ça fait déjà genre 2-3 ans que je l'utilise, non, ouais 2 ans que j'utilise. Il est principalement composé d'eau, donc à 90% d'eau et je pense qu'il y a 5% de glycérine. Quelque chose comme ça, en tout cas la composition elle est vraiment nette quoi, elle est juste oufissime. Il y a également du romarin, de l'aloe vera et du ginkgo. Je sais pas encore ce que c'est, il faudrait que je cherche, je pense que ça doit être une plante japonaise. Elle est déconseillée si vous avez de l'acné sévère ou si vous avez la peau irritée ou si vous avez une coupure, quelque chose comme ça. De toute façon, tout exfoliant, tout gommage est déconseillé si vous avez de l'acné. Pour l'utiliser, il suffit de mettre quelques pompes comme d'habitude dans sa main. Donc là, j'en ai mis 4. Et ensuite, je vais l'appliquer sur toute la surface de mon visage sans rien faire. Je l'applique comme ça. Il faut la laisser agir genre quelques secondes. Voilà. Et ensuite,
J'attends quelques secondes et ensuite je frotte. C'est parti, je frotte. Et là, normalement, la magie devrait opérer. Il est tout seul. On voit carrément les peaux mortes, quoi. Voilà, donc maintenant que c'est fait, bah, je vais aller rincer tout ça. Donc là, déjà à cette étape, ma peau, elle me dit « Thank you, Jesus. Merci beaucoup. Tu m'as sauvée. » Genre, elle respire, quoi, sérieusement. Genre, je peux limite m'arrêter là, mais je vais encore lui faire un petit peu plus plaisir, vous voyez. Donc là, je vais passer au masque. Et donc, je vais utiliser les masques papier, là, vous voyez, qu'on met sur papier ou coton, qu'on met sur le visage. Donc, c'est un masque japonais de la marque Kose. Le masque s'appelle Clear Tone White et c'est à base de collagène. Donc en fait, à l'intérieur, donc là je vais l'ouvrir, hein. À l'intérieur du masque, il y a un espèce de sérum concentré. Donc il est là. Il y a un espèce de sérum concentré qui va pénétrer dans la peau et qui va permettre d'obtenir une peau plus ferme, plus jeune, plus élastique. Et ça, c'est 100% coton et c'est biodégradable. Donc on ne fait pas de mal à Mère Nature. Hop là. C'est cool parce que ça permet également de traiter les cernes. Voilà. Même si tout à l'heure, je vais vous montrer un autre produit plus spécifique qui permet justement de traiter les cernes. Je vous disais tout à l'heure que dans le masque, il y avait du collagène. Donc il faut savoir que le collagène, en fait, c'est une espèce de protéine que l'on trouve principalement dans les tissus fibreux comme la peau et qu'elle représente les un tiers de toutes les protéines contenues dans le corps humain. D'où le fait que ça va un petit peu régénérer les tissus de la peau. Je vais laisser poser ça pendant 10 à 15 minutes et je reviens. Donc quand je le retire, je n'en rince pas du tout, vu qu'il y a du sérum à l'intérieur, donc je vais tout simplement l'étaler sur l'ensemble du visage et le cou. Donc maintenant, je vais passer à mon soin anti-cerne, vraiment pour cibler cette zone-là. Donc je vais utiliser des patchs, ce sont des patchs coréens. Donc ça s'appelle, toujours plus long les noms, hein, Placenta Firming Hydrogel Eye Patch, donc ce sont des patchs pour les cernes, de la marque Berinson. Je crois que c'est le produit qui m'a coûté le plus cher quand même. Donc apparemment c'est composé de placenta, qui est également de l'aloe vera, de la camomille, de la grenade et de la framboise à l'intérieur. Ça a un effet régénérant, anti-cerne, anti-âge, tout ça quoi. Ça hydrate également et ça apaise la peau. Donc il faut le laisser poser pendant 10 minutes. Voilà, c'est posé. C'est vraiment frais, c'est vraiment agréable. Donc je vais laisser poser ça 10 minutes et je reviens. Donc voilà, ça fait 10 minutes que je les ai, je vais les retirer. Ce qui est bien aussi, c'est que ça ne sèche pas du tout, donc c'est toujours aussi gluant. Donc maintenant, on va passer à l'hydratation de la peau. Et vous allez voir, j'utilise rien d'extraordinaire. J'utilise tout d'abord du collagène en spray. Donc j'utilise le Adanomi Collagène Mixte. Donc voilà, je vous ai dit tout à l'heure que le collagène était super important en ce qui concerne justement les tissus de la peau. Donc pourquoi ne pas lui donner ce dont il en a envie, ce dont il en a besoin. C'est un produit japonais. Et ils disent que justement ce produit est très efficace en ce qui concerne l'hydratation de la peau. Je vais juste pchiter quelques pchites. Il est également possible de l'appliquer juste avant son maquillage, parce que ça permet d'hydrater la peau avant le maquillage. Il y a plusieurs personnes qui l'utilisent à la place d'une crème hydratante, donc c'est ce que je fais depuis quelques temps, ou comme base de fond de teint. Et donc pour terminer, parce que c'est pas encore terminé, dans ces derniers produits, je vais appliquer du gel d'aloe vera, tout simplement. Donc ça c'est... Ah si, donc je vais utiliser du gel d'aloe vera, donc c'est 100% naturel. C'est de l'aloe vera à utiliser après un coup de soleil ou après avoir été longtemps sous le soleil. C'est ce qui m'est arrivé parce que j'ai quand même passé un mois en Thaïlande.
j'ai complètement changé de carnation, c'est juste un truc de malade. Et donc depuis que j'utilise, ça fait genre quoi, 2 semaines que j'utilise, et ben je trouve que depuis ces 2 semaines, je commence déjà à retrouver un petit peu ma carnation. C'est de l'Aloe Vera After Sun Gel Face and Body, donc for sunburn, qui a 100% d'extrait d'aloe vera. Et c'est de la marque P.O. Care, donc c'est une marque thaïlandaise. Voilà, donc je l'ai acheté en Thaïlande pour... Ça coûtait combien? Genre même pas 1,50€ quoi. C'est juste un truc de fou. Donc je vais en mettre un tout petit peu, je n'en applique pas du tout sur le corps, parce que le corps, bah, il va retrouver sa couleur naturelle petit à petit. Mais le visage c'est chaud quoi, j'arrive plus à mettre mes fonds de teint, c'est un truc de fou, genre il n'y a plus rien qui me va. Dites-vous que là depuis genre un mois, toutes mes vidéos, j'utilise aucun fond de teint. Aucun fond de teint. Donc là j'ai utilisé une toute petite noisette, mais vraiment une demi-noisette quoi, limite. Et je vais en mettre sur tout le visage. Vous pouvez également utiliser ce produit si vous souffrez de problèmes de peau comme l'eczéma ou tout simplement une peau irritée. Ou, voilà, apparemment c'est très très efficace. Ou des allergies aussi, ça marche. Il paraît que c'est très 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 efficace quoi. Donc voilà les amis, c'est tout pour ma routine du soir. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. J'espère que je vous ai fait découvrir pas mal de choses. Tous ces produits, sachez qu'ils sont disponibles sur internet, sur Amazon, sur eBay, sur leur site directement. Avant ce n'était pas le cas, mais Dieu merci, aujourd'hui c'est possible. Voilà, plus besoin de voyager pour pouvoir acheter des produits asiatiques, parce que bah, je trouve que leurs produits sont plutôt pas mal. Et en plus, ce n'est pas si cher que ça. Donc pourquoi ne pas en profiter? Si je trouve les liens, ben, je vous les mettrai en barre d'infos. Sinon, il n'y aura qu'à taper le nom de la marque ou du produit et vous l'aurez tout de suite. Vous inquiétez pas. Google est votre ami. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour moi. Je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Et les amis, d'ici là, portez-vous bien. Janet.